Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leur ravage. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage est ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, dans la joie de ce matin, nous voulons célébrer notre Seigneur, ce Dieu qui garde l'alliance, ce Dieu qui est fidèle dans ses voies. Ses œuvres sont parfaites et il ne se dédie point à notre Dieu. Il est unique en son genre, il n'y a point de Dieu comme lui. Il est le seul, l'unique, et nous voulons le célébrer, lui le Dieu de l'Alliance, qui a renouvelé ses bontés pour nous en ce matin. Oui, c'est lui le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance, c'est lui. Oui, et nous voulons te célébrer. Tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Tu quelque chose. C'est l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal. Et cette histoire traduit parfaitement l'alliance de Dieu, la fidélité de notre Seigneur, qui répond quand nous l'invoquons en vérité. Et c'est ce que Élie a fait en défiant les 450 prophètes de Baal, qui ont invoqué leur Dieu pendant toute la journée. Durant toute la journée, ils ont invoqué leur Dieu, qui n'a pas répondu, car il n'a point d'oreille, point d'œil, il ne voit pas. Mais Élie, lui,
après avoir mouillé son sacrifice, rempli d'eau tout le tour de son sacrifice, il a invoqué son Dieu une fois. Il lui a dit, hé Dieu, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Et alors, le feu de Dieu, alléluia, tomba et dévora la victime et le bois. Et ce jour, ils tombèrent tous face contre terre en adoration. Et ils dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. Alléluia, c'est le Seigneur qui est Dieu. Tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Qu'il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas ce Dieu. Il sera toujours à tes côtés. Il suffit juste que tu l'invoques et que tu t'abandonnes totalement à lui. Comme Élie qui a mis toute sa confiance en ce Dieu. Tu ne me laisses pas, tu as dit tu ne m'abandonnes pas. Tu seras à mes côtés, c'est tout ce qui compte pour moi. Ton Dieu l'a fait pour le prophète Élie. De cette même manière, il le fait chaque jour pour toi. Abandonne-toi en lui. Mets toute ta confiance et tu verras qu'il agira dans ta vie. Oui, la parole de Dieu déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et lui, il agira. C'est le Dieu qui agit, le Dieu qui garde alliance, le Dieu fidèle. Le Dieu Tout-Puissant, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible, car c'est lui qui créa l'univers par sa main. Tout ce qui est sur terre lui appartient. Tout, car il en est le créateur. Abandonne-toi à ton créateur et tu verras qu'il fera toutes choses nouvelles dans ta vie. Abandonne-toi au Dieu de l'Alliance et tu verras qu'il est fidèle. Et tout au long de cette journée, je t'invite à murmurer ce cantique. Yahweh, le Dieu des alliances. Yahweh, le Dieu des alliances. Il a tissé alliance avec Noé, avec Abraham. Oui, ce Dieu est fidèle avec Isaac, Jacob. Il a montré sa toute-puissance. Et à chaque fois qu'on s'abandonne à lui, il montre qu'il est Dieu. Et tout au long de cette journée, en murmurant ce cantique, abandonne ta situation, ce que tu vis maintenant, entre les mains de ton Seigneur, ce Dieu fidèle qui garde alliance. Abandonne tout entre ses mains et tu verras que tu seras un sujet de témoignage à la gloire de Dieu.
Oui, Père, en ce matin, nous voulons nous abandonner totalement à toi. Toi, le Père, le Dieu de l'Alliance, nous voulons tout laisser entre tes mains au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Bénis-nous, conduis-nous, nous nous abandonnons totalement à toi. Toi qui es le Père, Fils et Esprit Saint. Amen.